Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je me suis cachée. donc comme je vous ai dit sur la vidéo d'hier, voilà, ça faisait partie du haul Bergère de France. Donc c'est les trois catalogues que j'ai achetés, donc je vais vous les montrer en détail aujourd'hui. Voilà, Fifi qui passe, hop. Comme d'habitude. Donc, il y avait le Bergère de France Femme Hiver. Voilà, c'est le tout nouveau, le numéro. Le numéro 45. Voilà. Il y a les basiques. Donc, le numéro 41. Et si Fifi veut bien me donner... Voilà, merci Fifi. Le numéro, alors celui-là, c'est le numéro 12. Donc, il est de 2017. C'est spécial grande taille. Voilà. Bon, on va commencer par celui-là. Je mets les deux autres de côté. Donc, celui-là, donc, je vous ai dit, c'est un très vieux catalogue. Enfin, il a 5 ans maintenant, donc il est de quel mois, ils disent pas, non, bon, donc il a, on va dire qu'il a 5 ans, hein. Je sais pas si c'est hiver ou, bon, je pense, puisque c'est des, c'est surtout des pulls, des gilets, voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors, là on a déjà une petite veste. Alors, ici, on a un gilet fait avec la laine plume. Donc, c'est en aiguille 4,5, 5,5. Faites pas attention, j'ai un peu froid, j'ai mes mains, on dirait qu'elles sont bleues. Alors, ici, un poncho en laine, alors la jaspé. Non, Fifi, Fifi, non, ah non, 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 elle bouge mes mères, elle est ma mémé. Désolée, hein, mais vous avez l'habitude avec Fifi, hein. Vous savez qu'elle s'installe. Allez, bouge. Donc là, ça se fricote en numéro 4. Allez, bouge ma Fifi. Ici, une petite robe. Voilà, donc, mais voilà, Fifi qui s'assoit dessus. Donc là, vous voyez les motifs, hein. C'est des jolis motifs. Fifi, s'il te plaît, attendez, je vais la descendre, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Allez, elle ne veut pas. Alors, désolée, je vous ai fait faire une culbute avec le téléphone. Fifi s'est accrochée dans le câble. J'espère que vous n'êtes pas fait mal. Alors, on en était ici, donc une jolie petite robe ou qui peut aussi faire un peu long pull, hein, si on, puisque là elle est mise avec un fuseau. Donc la laine c'est Sibérie, donc en aiguille numéro 5. Ah, en plus j'ai eu le flash dans les yeux, du coup ça, j'ai des étincelles dans les yeux. Alors aussi un pull très, avec trois couleurs, un petit peu large, fait en lima, en aiguille 5-6. Voilà celui qu'on a vu en premier tout à l'heure. Donc pareil, fait en Sibérie, mais là avec des aiguilles 6 et 6,5. Voilà la laine lima, donc toutes les couleurs, hein, que l'on peut avoir. Donc voilà un petit pull, bon, ça c'est un pull assez facile à faire, hein. Donc en aiguille 2 et 5. Alors, je sais pas pourquoi du 2, je vois pas parce qu'il n'y a pas de bord côtelé, bon, je ne sais pas.
Ici, un pull un peu cache-cœur en Angel 50. Donc en aiguille 3, 3,5. Bon, là, c'est la pub d'un livre tricot XXL. Un pull fait en laine Sibérie avec deux grandes torsades. Fifi, ah non, me recommence pas. Ici, avec la laine, pardon, Angel 50, fait en 4,5 et 10. Donc là, c'est un point à jouer. Là, avec la laine plume, avec des boutons et des brandebourgs pour fermer cette veste. Ah, machine à tricoter. Comme je vous ai dit la dernière fois, les machines à tricoter, j'aurais toujours voulu apprendre à m'en servir, à tricoter avec ça. Bon, j'en ai jamais eu. Mais bon, maintenant, c'est plus maintenant que je vais apprendre à tricoter à la machine, hein. Mais je pense que ça doit pas être si compliqué que ça. Mais celles qui en ont une, bah, dites-moi. Là, bon, quelques petits accessoires. Et maintenant, donc, on a nos fiches créatives. Donc, on les a en plusieurs langues. Donc, j'avais fait les petites encoches. À partir d'ici, c'est en anglais, néerlandais et allemand, je crois. Oui, allemand, voilà. Et donc vous avez vos fiches créatives. Il vous explique comment faire l'échantillon. Et comme d'habitude, hein, il vous explique les points principaux. Voilà. Et voilà. Là, on arrive donc aux explications comme d'habitude. Donc voilà pour le premier livre, hein, le spécial grande taille. Le deuxième, le basique. Donc de la taille S à XXL. Donc vous avez quand même trouvé des modèles avec des grandes tailles dedans. Donc là, bon, je vous avais vu la première page, on vous montre déjà les modèles. Donc ça va être des modèles assez simples, hein. Voilà. Et voilà, donc on va démarrer. Ici, tricoté en pure douceur. Donc c'est le nom de la laine. Donc en 4 et 4,5. Un petit pull tout simple, léger. Ici, en gumi 50. Un peu multicolore en 3, 3,5. Ici en toison, la toison 100 en 6, 6,5. Ici ça va être en coton mérinos. Donc, le coton mérinos, ça se tricote en 3,5-4.
La Calinou. Donc là, ça va être un pull plus fin. Ça se tricote en 2,5-3. Ici, un petit pull léger, mais avec des torsades. La Cocooning. Mais en 6,5. La Flocon. Pareil, un petit pull avec des torsades. En 5. Pacha. J'ai mon Pacha qui se promène là où il faut pas. Pacha. Par ici. Excusez-moi. la laine idéale. Donc ça se fait en numéro 4. Ici, un pull homme avec de nombreuses torsades sur le devant, avec de la barisienne 7, ça se tricote en 6, 6,5. En voilà un autre, donc c'est le même pull, on va dire, mais là, il est tricoté en sport plus. Alors, la petite différence, je crois... Alors, attendez, je regarde. Ben non, c'est le même. Voilà. C'est le même, mais pas fait avec la même laine. Donc là, c'est du 4,5-5. Il se tricote jusqu'au XXL. Et là aussi, XXL. Ici, avec tricoté en houppe. J'aime bien la couleur. Il se fait aussi jusqu'en XXL, 5, 5,5. Voilà un petit gilet classique en mérinos 2,5. Donc il se tricote, on a la taille jusqu'au XXL. Il se fait en 2,5-3. Alors ici en 100% recyclé 8. Donc ça se tricote en 7 et 8. Et la taille va jusqu'au XXL aussi. Et vous pouvez mettre des boutons recyclés, des boutons en coton recyclé. Voilà. Ici, tricoté en filomèche, en 6,5. Là, il ne va jusqu'au XL. En flocon, vous avez la taille jusqu'au XXL, 4,5-5 pour le tricot. Ici un gilet pour homme en Alaska 100. Donc là la taille va jusqu'au XL. Donc jusqu'au 6, 6,5. Un autre gilet pour homme en douce laine en 4, 4,5. Pareil jusqu'au XL. Ici tricoté en cirrus en 5,5, 6,5. Donc en XL également, la taille maximum. Mérinos 4 en 3,5-4 jusqu'à le XL. Ici en douce laine, alors vous l'avez jusqu'en XXL, 4, 4,5. Alors ici, c'est une taille unique, par contre, en caprice, du 6,5. Alors, taille unique, mais bon, taille unique jusqu'à quelle taille? Parce que bon, la taille unique, c'est bien, mais ça va jusqu'à une certaine taille quand même. Pareil là, pour la taille unique, ici, c'est du 4,5, c'est fait en filou. Et donc voilà, là c'est pour les modèles. Et ensuite,
La mercerie, ben, c'est comme l'autre jour hein, que je vous ai montré. Donc les boutons, les petits anneaux marqueurs, la petite mercerie avec les arrêts de mailles, les aiguilles, les contrants, voilà, etc. Et ici, vous arrivez donc au cahier des fiches créatives qui, elle, chaque fiche est écrite directement donc en français, en anglais et en néerlandais. Voilà. Donc vous n'avez pas, il n'y a pas plusieurs groupes de pages par langue. Chaque fiche est écrite directement dans plusieurs langues. Voilà. Les patrons sont bien clairs avec les différentes couleurs par rapport aux tailles. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Vous retrouvez encore des photos à l'intérieur, des modèles. Donc voilà. À la fin. Bah là, c'est juste une page pour pouvoir vous abonner au magazine ici. Vous pouvez vous abonner. Donc comme ça, vous recevez les catalogues. Alors, 7 magazines thématiques, ça fait que vous recevrez tous les magazines. Et fin août, vous recevez un catalogue et un cahier de fiches créatives. C'est ce que je vous avais montré la dernière fois avec les petits échantillons de laine. Voilà. Et si vous faites l'abonnement 16 magazines, donc en tout, donc ça fait 2 ans de parution, vous recevrez 14 magazines et 2 fois en août un catalogue. Et un... Donc là, il y a une promo dessus. 39 euros au lieu de 64 et là, 69 euros au lieu de 129. Voilà. Donc voilà pour les basiques. Et le dernier, donc c'est le tout nouveau, le tout dernier sorti. Donc c'est le numéro 45, les femmes en hiver. Donc de la taille S à XXL. Donc le numéro 45 à 20 modèles. Donc voilà déjà un petit aperçu des modèles qu'il y a. Voilà. Donc le premier, ça va être un gilet court avec un grand col, tout torsadé, en 100% recyclé 4. La taille va jusqu'au XXL. Ça se tricote en 4 et 5. Ici, un jacquard en douce laine jusqu'au XXL qui se tricote en 4,5. Là, un gilet avec des nappes. Voilà, sur le devant, sur les manches, qui se tricote en image. La taille va jusqu'au XL et ça se tricote en 5, 5,5. C'est un manteau qui va jusqu'au 5, jusqu'au XXL et se tricote en 7, 8. Donc ce manteau, alors je vais peut-être page 44. Alors attendez. Moi il me plaît bien ce manteau, mais bon le point va être long à faire. Alors, entre les tailles de l'ES, par exemple, il faut 20 pelotes. Et le XXL, il faut 28 pelotes. Voilà. Pour le faire. Mais il est vraiment très joli, hein. Quand on le regarde comme ça, on dirait un peu matelassé. Ici, en XXL. Quand je vous dis en XXL, c'est que ça va du S au XXL, hein, bien sûr. Ça se tricote en 4, c'est en Mérinos 4.
Là, en toison 100. Pareil jusqu'au XXL. 6 à 6,5. Tricoté en image. Alors là, les tailles, c'est du SM ou LXL. Voilà, donc il y a deux tailles. Donc voilà, cette taille-là, par exemple, moi, ça ne m'irait pas. Malgré qu'il y a du XL, LXL, ça ne marche pas pour moi. Ça se tricote en 5,5. Et là, on va y mettre des petites attaches en métal bronze, comme ça. Ici, il est tricoté en arlequin. Donc, ça va être une pelote multicolore. Il va jusqu'au XL et se fait en 6,5. Ici, une petite cape en Alaska 100. Alors, c'est pareil, la taille, ça va être SM ou LXL. Voilà, avec des boutons bronze. Voilà. Et se tricote en 7, 7,5. Alors celui-là, par contre, bon, je l'aime un peu moins. Voilà, le fait d'avoir les manches comme ça, je trouve trop épais pour avoir des manches trois quarts. Bon, c'est mon avis à moi. Il se tricote en sport. Il va de la taille S à XL en 4. Alors il se tricote en 4, en 5 et en 5,5. Donc il y a trois paires d'aiguilles à avoir pour se tricoter ce modèle. Encore un petit manteau à capuche cette fois-ci. Il se tricote en duvetine. Donc XXL et en 6,5. Ici en barisienne 7. Donc en XXL 6, 6,5. Avec un bouton imprimé papillon. Ici, une petite étole, enfin une grande étole, en frimousse et calinou. C'est une taille unique, en 5,5. Ici en sport plus jusqu'au XL, ça se tricote en 4,5. Vous avez 6 boutons en bio résine bombée. Ici le petit gilet en cabelou, alors en XXL. Et ça se tricote en 6-8. Ça, j'aime moins. Là, en paulette. La laine s'appelle paulette. XXL, ça se tricote en 6-6,5. Alors là, cette veste-là, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup, sauf que bon, il n'y a pas de boutons. Donc, si je serais à la faire un jour, moi, j'y mettrais des boutons. Pour pouvoir la fermer. Elle va jusqu'au XXL. Et donc elle se fait en flocon. Et c'est 4,5, 5. Alors ici c'est en paulette également. Donc jusqu'au XXL. Donc ça se tricote en 6, 6,5. Et vous avez à mettre dessus donc des broderies sur tulle rose.
Voilà, donc vous en avez une là. Et les 6 boutons métallisés. Encore une longue veste en filomèche, à la taille jusqu'au XXL. En 4, en 6 et en 6,5 pour le tricotage. Alors là, les brandebourgs pour les boutons, vous voyez. Ici, en XXL pour ce pull. Donc, c'est de la paulette en 6,5. Donc, voilà pour les modèles pour ce nouveau catalogue. Et bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez les explications. Donc, alors, en français, en anglais, en néerlandais, et je pense que c'est tout. Oui, voilà. Français, anglais, néerlandais pour ce livre-là. Donc, vous retrouvez de temps en temps une photo du modèle. Les patrons sont très clairs, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ici, les trames pour suivre votre jacquard. Voilà. Et à la fin, on a quoi? Bon, on n'a rien de spécial. Voilà. Donc voilà, donc, je vous remets les 3 catalogues qu'on avait aujourd'hui. Voilà, donc les 3 catalogues que je vous ai présentés aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous a plu que je vous les présente. La prochaine fois, bon, je verrai quand est-ce que j'en aurai d'autres. Hein. Je vais profiter quand même des soldes pour pouvoir faire mon stock de catalogue, je pense. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais en reprendre. Hein. Bon, les soldes, c'est jusqu'au 8 février, donc j'ai encore un petit peu le temps. Et puis, ben, nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bisous, bisous.